Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche de janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Amérique Races The Turf Q5. Quatrième course de la Réunion 1, où 18 trotteurs âgés de 4 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. C'est déjà l'heure de la troisième épreuve qualificative chez les vieux pour le prochain Prix d'Amérique. Notre groupe 2 international offre une allocation totale de 120 000 euros et se disputera sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Une fois encore, les places derrière la voiture pourraient avoir beaucoup d'importance. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 7, Vivid Wise Ass. Alessandro Gocciadoro est un spécialiste des parcours de vitesse et il adore ce fils de Yankee Guild qui est une véritable balle. Avec l'aide d'Eric Raffin, il peut faire briller la casaque d'un certain FaceTime Bourbon. En deuxième choix, le numéro 8, Zakonjo. Jean-Michel Bazire l'aime énormément et l'a préparé avec le plus grand soin pour cette compétition. Déféré des 4 pieds et piloté par Alex Abrivard, il vise une place dans les 3 et son ticket pour l'Amérique. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Delia Dupont. Nous la connaissons parfaitement et désormais âgée de 9 ans, cette fille de Nicky peut réaliser elle aussi un véritable numéro avec classe derrière la voiture. En quatrième position viendra le numéro 4, Don Fanucci Z. Daniel Reden l'estime énormément et comme il approche du million d'euros de gains, il lui faudrait remporter cette compétition pour ou terminer dans les 3 premiers pour être sûr de participer à l'Amérique. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Guderi Pré. Véritable machine de guerre, son entourage en espère un véritable numéro aujourd'hui malgré son numéro 14 en deuxième ligne. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Coxteel. Piloté par un certain Gabi Gélormini, s'il dispose d'un bon parcours, il peut lui aussi terminer à l'une des 3 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 16, Feliciano. Philippe Allaire fait appel au service d'Andrea Guzzinati pour le driver et ce n'est pas une idée derrière la tête. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Bayakeno. Elle reste ferrée aujourd'hui mais nous connaissons sa qualité, elle qui est désormais âgée de 11 ans. En cas de non partant, le numéro 10, Flamme du Goutier, toujours ingambe et toujours au top à l'âge de 7 ans et qui aura pour objectif le Cornulier dans quelques semaines, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre, le quartet dans l'ordre et le quintet plus toujours dans l'ordre, ce dernier affichant tout de même un rapport sympathique de 129 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.